Vous êtes prêts? Oui, allez, concentrez-vous, c'est la 50e prise. Allez, on y va. Lou, c'est bon? T'enregistres? Ouais, t'inquiète. David, t'es prêt? Ok, alors, 3, 2, 1, ça tourne. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour donner notre avis sur le film Le Dictateur de Charlie Chaplin. Récemment vu en classe, nous avons profité de l'exposition sur le réalisateur, ici à Aimé Césaire, pour enregistrer ce podcast. Je suis actuellement en compagnie de trois filles super, Nina, Lou et Malia. Alors, qui veut commencer? Moi, je veux bien. Alors moi, c'est Malia, 14 ans. Personnellement, j'ai pas beaucoup aimé ce film. Je l'ai trouvé ennuyé. J'aime pas vraiment les films en noir et blanc. Je suis pas d'accord. Moi, j'ai adoré le film. Ça change d'habitude. De toute façon, toi, t'aimes jamais rien. Non, mais t'es sérieux, là, David? Les gars, arrêtez de vous disputer. Les filles, c'est quoi ce délire? Vous êtes où, la purée? Pourquoi y a plus de lumière? Où sont les gens? Répondez, bordel! Mais pourquoi elles ne répondent pas? Allô? Vous êtes où? Il se passe quoi, là? On est tous dans le noir, je sais pas où je suis. Moi non plus, Lou, je te vois plus. Allô? À l'huile. T'es relou là, David, c'est pas marrant. On peut savoir qui fait une blague? Ah, c'est bon, c'est pas le moment de se disputer. Moi, je crois que je suis dans la bibliothèque, mais tout est très sombre. Il s'est passé quoi? Genre, on a été téléporté? Lou, t'es où toi? Moi, je sais pas, ça ressemble au deuxième étage, là où il y a les ordis. Je les vois allumés. Moi, je vois l'extérieur. Le soleil est en train de se coucher, je crois que c'est là où il y a la terrasse. C'est bizarre, moi j'ai pas bougé. Je suis toujours à la salle de l'expo. Vous aussi le faites au noir? Ouais, je viens de le dire. Pareil. Mais wesh! J'entends des chuchotements venus du micro. David? Les filles, je suis la proche de lui normalement. Je vais essayer d'aller chercher. Ne coupez pas. Okay. Oh putain, c'est quoi ce délire? Je vois des ombres avec des formes étranges. Les filles, c'est vous? Non, pas du tout. Ah ok. Ça doit être un reflet. Je vais voir où est David. Ok, tiens-nous au courant. Je commence vraiment à flipper. Malia, t'es où? T'as retrouvé ton frère? C'est bon, je viens d'arriver. Je le vois. David? Tout va bien? David? Eh oh! Les filles, c'était pas lui. J'ai pas bien vu, mais c'était comme une ombre qui vient de s'enfuir. C'est comme s'il avait pas d'œil. Tu veux nous faire peur, là? Je sais pas, je suis pas vraiment rassurée. Arrête tes conneries. Malia, t'es là? Mon téléphone n'a plus de batterie. Je veux retrouver maman. Calme-toi, frérot. Tout va bien se passer. J'y crois pas. La petite sœur qui doit protéger le grand. Vous entendez? C'est le bruit des ordinateurs. Il faut s'allumer et s'éteindre. Il y a des symboles étranges sur les écrans et il y a un son insupportable. C'est horrible. Je vais essayer de les éteindre. Et moi, il y a des livres qui volent. Tout... dans tous les sens. C'est comme un séisme dans la bibliothèque. J'ai peur! Les gars, j'arrive pas à éteindre les ordis, c'est trop chelou! Laisse tomber les ordis, Lou. Essayez de vous retrouver avec Nina, et après on se retrouve à tous les quatre. Ok, Lou, descends. Je vais être juste à l'étage du dessous. Je peux pas bouger avec les livres qui volent partout. Ok, je te rejoins, ça n'a pas vraiment l'air d'être un canular. Ou alors c'est incroyablement bien organisé. J'ai peur que ce soit plus grave que ce que l'on pense. Aïe! Lou, ça va? Je vais essayer de te rejoindre. Putain, ça fait un mal de chien! C'est bon, je suis avec Lou, elle est tombée, mais rien de cassé apparemment. Faut vraiment qu'on se casse ici. On peut essayer de se retrouver dans le hall, Malia et moi. On essaie de descendre. Faites attention, il y a encore des livres qui volent partout. Lou est un peu sonnée, j'ai peur. T'inquiète pas, c'est pas trop grave pour Lou? Non, ça va, je vois pas trop bien, mais je pense qu'elle a juste une bosse sur le front. Ok, tant mieux. On arrive. Lou va un peu mieux et elle peut marcher. Bah on peut se retrouver à l'entrée. Ok. Tout le monde est là? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est bon, on est réunis, on peut couper l'appel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Lou, c'est quoi la grosse bosse que t'as sur le front? Je sais pas, j'ai dû me cogner, je m'en souviens plus. Je me souviens de rien. On peut écouter le podcast pour que ça nous donne des informations vu qu'il n'a pas été coupé. Ok, je le lance. Oula, grave bizarre. Carrément, c'est relou, mais on doit tout recommencer. Ouais, bon, on y va? Ok, 3, 2, 1, ça tourne.
Et moi, il y a des livres qui volent. Et là, t'as pris ma feuille où il y a ma parole. Yo. Allô? On n'entend pas. Là, on entend.